Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau visage à l'équipe nationale du Cameroun. Installez-vous confortablement car tout commence après le jingle. Parti à plusieurs reprises à la chasse des nouveaux talents dans le but de renforcer l'équipe nationale du Cameroun. Le sélectionneur-manager Rigobert Song et son boss Samuel Eto'o n'ont pas eu une seconde de répit depuis leur arrivée à la tête du football camerounais. Car comme nous, ils caressent le rêve de voir le Cameroun remporter la Coupe du Monde. Avant cette échéance cruciale, le Cameroun aura rendez-vous avec le CUI les 4 et 8 juin prochains pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Pour cet apéritif, le capitaine Courage Rigobert Song a publié une liste de 23 joueurs qui prendront part à ces chocs des dieux et parmi eux, 6 nouvelles têtes font leur apparition. Nous parlons ici de Christopher Wood, défenseur central du FC Lens, Olivier Kemen, milieu de terrain de Kexport, Omar Gonzalez, défenseur de l'Ajaccio, Kevin Koudou, ailier de Besiktas, Eto Gambela, le jeune prodige du championnat ghanéen et Lankelze, le sauveur de Metz. Toutes ces actions n'auraient été possibles sans la mainmise du pichichi Samuel Eto'o qui a pesé de tout son poids pour convaincre ces jeunes de ce que la destination Cameroun est la meilleure pour eux. En attendant le prochain regroupement où nous espérons voir tous nos frères qui traînent encore le pas, nous pouvons dire que le lion est prêt à dévorer sa proie. Comme pour dire, ils seront tous dans la sauce. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition spéciale Eto'o. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Restez scotché sur Question de Temps TV car le bonheur se trouve ici.